Une mer déchaînée et des rafales à plus de 180 km/h, le puissant typhon Wangfang a frappé lundi le cœur du Japon. Ce cyclone a déjà fait au moins 68 blessés et un disparu. Les images diffusées à la télévision montraient des pluies diluviennes, des routes inondées, des flots de boue et des maisons dévastées. L'Agence de météorologie nationale a émis des alertes aux fortes averses et aux inondations dans la capitale. Au moins 559 vols ont été annulés et les liaisons ferroviaires ont été interrompues dans certaines régions. Il y a une semaine, un autre typhon, Fangfon, avait traversé le Japon, laissant derrière lui une dizaine de disparus.